Et tu iras loin. Bon bah alors go. Alors la nouvelle mission, elle se présente comment? Alors, j'ai mis sur la carte les points où on doit passer. D'accord. Je vais rester à la carte et je vais te guider. Là, faut qu'on aille légèrement sur notre gauche, mais pas trop. D'accord. Et bah ok, on va suivre ça. Et puis alors attends, clac clac. Je vais changer ça vite fait. Pff, allez hop. Non, tiens. Je vais mettre ça. Hop là. Hop. Bon, allez. Et là-bas, on se pose. Et puis celui-là. Clac, ça on n'y touche pas. Je vais Parfait. voir sur la carte. Sinon, on est bien. Bah Alors jeter l'encre, non. Donc on est bon. alors, on peut y aller. Tu suis la trajectoire. Quand on va passer à côté de Skull Keep, on passera à gauche de Skull Keep. Ok. Et puis on va voir après. Il n'y a pas de souci. Alors Skull Keep, ouais ok, je le vois là-bas. Donc je passe à gauche. Et ça te dit d'aller à un endroit précis, c'est ça? Ouais. Voilà, c'est parfait. En fait, ça dit, suivez les traces du navire disparu pour découvrir des indices conduisant à la cargaison perdue. Retrouvez le manifeste du navire. Stolen Steel. Et ça me paraît très gros. S'arrêter sur Flakiel ou quoi? Bah. Ça me paraît Non, gros non, quand même. parce que le tracé, il nous dit de passer à des endroits où même où il n'y a pas d'île en fait. Là, c'est marqué destination, ancien spire, outpost. Ouais, bah ouais, c'est là qu'on va. Origine, outpost de Galéon. Parce que s'il faut qu'on s'arrête à chaque île, ça va être Ah compliqué non, parce qu'on ne sait pas quoi chercher en plus. non. Là, tu vas un peu Bah sur ouais. la légèrement sur la gauche, mais tout léger. Je vais me canonner pour looter un peu le fort en passant. Ouais. Ouais, vas-y. Nickel. Il va avoir un succès à se canonner. Ok. Donc la voilà. Passe à gauche de Crooked Mast. Ouais. Je suis bien parti pour passer à gauche. Là, nickel, tu peux même redresser un petit peu. Pas trop. Pour éviter de taper. Et puis je vais être pas mal. Allez, Je vais être prends le pas volant. mal. Vas-y. Donc là, c'est tout droit là. Non, 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 tu vas rectifier un petit peu la trajectoire après. Là, tu peux tourner un petit peu sur ta gauche. Tu tournes ou pas? Ouais, je tourne. Ah ouais? Bah un petit peu. Bah encore. Ouais, bah, ça tourne tout seul là. Encore. J'ai un caillou sur la trajectoire.
Voilà, c'est bon là. Tout droit. Ok. Tu t'es rempli les poches, Bao? Ouais, j'ai ramené du poulet, du bois, de la bouffe, voilà. Nickel. Des abats. Bah, t'as vu ce que t'as gagné, level 100? Au niveau non. du saison? T'as les yeux d'Athéna à déverrouiller. En fait, à chaque case, t'as du loot, et à certaines cases où t'as un loot supplémentaire si t'es légende pirate. Actifier un peu sur la gauche. Je vais te dire stop. C'est bon, on redresse. Ouais, plein sud. Ouais. Tout léger, tout léger, tout léger, sud-est. Donc c'est l'avant-poste qui est à l'avant-droite? Oui, tout à fait. Ok. Let's go. Here we go. Mario. Here we go. Oh, voie à la gauche. S'il te plaît. S'il vous plaît. Ah non, mais je vais pas dire s'il te plaît à chaque fois que je demande un truc. Hein. Bah, si. Bah, si. Oh, l'équipage, toi. Avec la politesse non, et tout. T'as pas dit s'il te plaît. T'as pas dit Jacques Ali. s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre l'angle des voiles à 45, s'il vous plaît? Je me canonne. Non, t'as pas caressé le chien. Envoie-le dans le canon. Bah, il est où, chien? Ah, il est là, il fait dodo. Oh, tu sais quoi, il y a une gamine à l'école. Elle s'appelle Seina. Et en fait, pour la noter dans le fichier en présente garderie, je lui demande son nom de famille à la gamine parce que je la connais pas. Ouais. Et là, elle me dit quoi? Menendez. Non. Je te jure. J'ai pensé à Murphy. Tu m'étonnes. Tiens, j'ai vu une étoile. L'étoile du chien. Alors, direction à l'avant de droite. Ouais, le truc il est juste là. Parfait. Bon, ça a l'air assez calme sur les mers là. J'ai eu un petit peu peur. Galion. Parce qu'on est quand même vendredi. Eh ben là, je suis tombé. Ça faisait longtemps. Il y a des mouettes là-bas. Bah. Eh ben allez. Il n'y a pas l'air d'en avoir beaucoup de mouettes pour une épave. J'ai vu que ça sur la route. Là, on va s'arrêter sur chaque île de la première trajectoire. Oh la vache. Je pense pas. Oh, j'ai froid. Pourquoi t'as remis la voile devant? Pour avancer plus vite. Parce qu'on était beaucoup trop loin. Moi j'ai trouvé l'indice dans un tonneau et il est marqué tonneau de marchand ou tonneau de marchandises, un truc comme ça. Il y a un banc de brume entre nous et notre destination. Et pourquoi changer de cap? Je connais cette région comme ma poche. Hé hey, les gars, il y a une clé. Il y a des quoi? C'est que je peux me harponner? Attends, vous êtes tous mélangés, je te vois pas, Jem. C'était là. Yes.
Et plus rien à goûter. Si elle reprend quelqu'un. Ok, hop, j'y retourne parce que j'avais enlevé la caisse de stockage. Vas-y, j'y vais. On les voit plus, mais ils sont derrière le bateau. Pas derrière l'île, je veux dire. C'est quand même la clé. Allez, j'y vais. En dessous de nous, putain. Mais pile poil en dessous de nous. Elle est où les pommes? Juste en dessous du bateau, pile poil. Ah ouais. Ta-ta-da-ta. Yeah. Du coup, on prend le livre là, c'est ça? Ouf! Yeah. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, il y a fois à bord, enfin, qui remonte tout. Bon, quoi que ouais. Putain, mais attends, tu peux pas harponner, laisse tomber. Non, on peut pas harponner. Si, tu peux harponner. Pourquoi tu peux pas harponner? C'est juste en dessous du bateau. Bah, si tu le mets sur le côté. Tu remontes un peu de côté, peut-être. Ouais, enfin, on arrive à l'échelle, alors tu sais. Ouais, voilà. Surveiller l'île quand même, il y avait un bateau derrière tout à l'heure. Fort Boyard. Allez, allez. Ouais, ça change, c'est bien. Ouais, ça change, voilà. Ça change des croix sur les cartes et des squelettes à taper. Faut pas oublier d'aller chercher le livre. Il est où le livre? Il est dans la cale? Il est en bas, certainement, ouais. Si je pendant que je remonte, ça fait remonter le coffre à la surface? Ça dépend où tu es. Peut-être les tonneaux aussi, quand vous allez en bas. Peut-être des poiscailles. Faut prendre les barils de poudre parce que il y a des trucs à faire avec. Ouais, il faut tuer des requins et tout avec. Ouais. Grade 1, moi. Allez. Hop, deux poissons sous l'escalier. Une caisse intéressante. Tu mets pas de pompe dedans, tu fais remonter. Vraiment beaucoup de balles. Putain, elle veut pas entrer dans la cabine, hein, connasse. Ouais. Presque. Ok. La clé est là. Et il y a un crâne aussi. On va le prendre. Ouais. On récupère tout.
Oh, allez, je les vois, les mouettes. On est pas loin du tout. Ça, c'est pas loin du trou. On est pas loin du trou. Hein. Du trou, du trou. Allez, c'est parti. On gonfle les voiles. Ah, il est... Oh, merde. Merde. Bon, ok, je me suis tourné, on peut pas le harponner. Par contre, si le loot équivaut au nombre de mouettes, là, on va être chanceux, hein, je vous le dis. Ouais, je pense pas. Non, mais déjà, la clé, c'est pas une clé de porte, ça. C'est une clé de coffre. On va voir. Clé requise, c'est pas précisé. Désolé. Donc là, est-ce qu'on lève ? Non, pas encore. Je vais descendre avec la clé, je vais essayer d'ouvrir le cap. Porte du capitaine. Mamou, tu vas chercher le bouquin? Ouais. Puis on ferait... Avant de toucher le bouquin, on va faire le tour du bateau. Ouais. Oh, ah, c'est des barils. Eh ben, les voiles sont levées, là. Tout ce qu'il y a, je vais regarder en dessous quand même. Ah bah non, il n'y a pas d'épave. On t'avait dit à droite. West Sky, des planches. Tiens, je suis plein, faut que je le vide en planche. Il reste des planches, on sait que je vais harponner. Rageur de rose déjà cuit, mais il nous en faut de ça en plus. Bah oui, ah attends, il restait des trucs dedans. Wesh, j'en ai pris sur moi. Ouais, mais il restait quand même. T'as lâché des trucs qu'il y en avait dedans. Ouais, j'ai un truc là, c'est quoi? Salut, 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 ça va? Entrez, ouais, journal, le capitaine nous a ordonné de ne pas en dire plus que nécessaire. Vous auriez une petite place quand vous auriez fini votre quête, enfin je sais pas où vous en êtes. Ouais. Ouais, on finit ça, on remonte un... Oh, enfin si, si vous êtes en quête, finissez tranquille. Hein. C'est quoi ce tonneau, il est bleu? C'est un tonneau de loot, mais il est tout bleu. Il est bleu? Ouais. Bah vous avez vu que j'ai chopé un peu de vert, moi. Eh hey, mais ça fait partie de la quête, ça. Bah oui, c'est... mais il y a rien dedans. Ah mais c'est peut-être Jen qui l'a pris, non? Oui, moi j'ai un truc là. Ah bah c'est ça. Bah vous l'avez aussi, hein. Ah oui. Ah. Qu'on voit. Donc c'est ça. On serait le capitaine de l'Antonie. Attends, je mets ça dans le bateau déjà. C'est et c'est très bien. On passe à côté de Stephen Spoil. Eh ben on ira. Donc là on fait une enquête là. C'est ce qu'on n'a pas fait tout à l'heure. Ça j'aime bien, tu vois, c'est nouveau, ça change de CFA là, ils ont réussi à... Faites quoi comme quête du coup? La nouvelle, oh, là, la nouveauté. Toute nouvelle quête. Donc Stephen Spoil. Ouais, on y va, on met les voiles. Les poils de Stephen. Stephen Spoil. Allez, vas-y. Bah oh, veux-tu te canonner sur Crook? Au cas où. Ouais, canonner, je veux bien. Et on va y aller tout doux au cas où tu nous trouves quelque chose. Allez, c'est de quel côté? Gauche. Je monte. Je suis dans le... Ah merde, je suis dans le canon. Attends, l'homme canon. Vas-y, canonne-le. Oh, j'ai le OK. Je voulais voir avec Toko et Fourmi si vous voulez qu'on fasse une alliance quoi, demain, tout comme ça, genre voir les temps d'année. Nous demain on n'est pas là. D'accord. Renommée augmentée. Ouais, faut s'arrêter sur toutes les îles qui est de la map en fait. Hein. Récompense obtenue niveau 3. Ah ouais, je crois qu'il faut s'arrêter partout sur son trajet. Hein.
C'est sûr ? Les pieds à terre au moins. Alors attends, parce que nous on n'a pas. Alors attends, on va remonter les voiles. Là il y a un truc qui brille, il y a une chaloupe. Un coffre décoratif là-dedans. Vous êtes sur un Briggs, c'est ça ? Ouais. Ouais. Tempête des mers anciennes déjà cuit. Ça tombe bien parce qu'en plus on va... En bas tu vois ça m'a pas mis niveau 3. T'as pas eu un truc comme étant pied à terre ? Non. J'ai eu tout à l'heure. Tiens, une caisse de bois là, il y en a. C'est pour ça que tu l'as déjà fait. Tu l'as déjà fait. Bon, on va pas de méchants sur la plage. Je fais le tour. Ouais, je suis en train de faire un petit tour aussi. Je fais le tour par en bas, j'ai fouillé les hauteurs. Ouais. Que dalle. Voilà, ça c'est fait. Non, rien non plus. Bon, on se casse. Faut emmener la chaloupe ? Ouais, c'est pas perdu. Allez, c'est parti. Attends, 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 attends. Attendez-moi. Attendez-moi aussi. Le pauvre, à chaque fois, on va le laisser sur l'île. Il y a un squelette qui a un pop sur la plage. C'est qui ? Non, c'est rien. Parfait. Allez, go. Attends, 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 il est pas encore là. C'est bon, je suis juste à côté, je suis à l'échelle. Allez, viens, petit. Allez, file-moi à nage. Tu vois pas, il va faire un continent comme ça. Il va bien faire une longueur. Ouais, vache. Bon, peux-tu regarder sur la carte, je dois passer à droite de Stephen Spoil. Mais ouais, mais où il est? Alors, faut que tu ailles plein ouest. Ok. Ouest? Oui, ouest. Et Stephen Spoil. Je me jette. On y va ou Stephen Spoil? Ou je me jette? Il est ouais. Droit devant. Ouais, ouais, on y va. On a deux conneries avant. Là. Il est parce tout droit. Que... le capitaine nous a ordonné de ne pas en dire plus que nécessaire à Stephen. Elle est vraiment paranoïaque. Mmh. Si on faisait les choses à sa façon, on passait l'intégralité de notre séjour à Stephen Spoil dans le silence total. Quelle honte! C'est ça le journal de bord que j'ai chopé. Donc. Va faire ton bulot. Et bah, c'est ça. Donc, on. Ah! On a un point rouge sur la carte. Mmh. Et on doit passer à droite ou à gauche de Stephen Spoil? Ok, à droite. Oh là 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 là. Mais on s'arrête à Stephen Spoil de toute façon. Oui, mais on a un trajet à suivre. Oh.
C'est bon pour monter. S'il te plaît. S'il te plaît. Ouais, je préfère. Sale. Attends, parce que là on est trop. C'est volontaire si je me mets derrière. Oui, oui, oui. Ah merde, j'ai oublié les poissons dans le bateau. J'ai déjà sauté. Il est où? Dans la cale? Dans le. Dans la caisse du bas de la bouffe. Ok, je vois. Je vais le prendre. Personne aux alentours. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je croyais voir des mouettes. T'as vu un fantôme? Vous voyez quelque chose? Je suis sur le Stephen Spoil. Il y a rien d'apparent pour le moment. Parce que moi j'ai la feuille verte, alors je sais pas. Vous l'avez aussi? Ah, ouais, ouais. Renommée. Ok. Attends. On va parler. Voir ce que voir ce fan. Est-ce que c'est un filet cargaison? Qu'est-ce que. Je sais pas quoi lui dire. Bah, je sais pas, demande-lui comment il va, déjà. Politesse. Stephen Spall, vous avez filé ce que vous revendez. En fait, ça me dit pas les énigmes à la con. Le capitaine nous a ordonné de ne pas dire plus que nécessaire à Stephen. Elle est vraiment paranoïaque. C'est une meuf, ça, déjà? Ah, c'est pas une meuf, ça. Alors là, mais tu vois, il y a des trucs verts. Tiens, partout. Il y a des bouquins là. Non. Non. Qu'est-ce qui s'est passé à Stephen Spoil? Ne pas en dire plus que nécessaire, alors est-ce qu'il faut lui montrer? Ah, pas bête. Non. Ah, c'est dommage, j'avais de l'idée là. Bon bah écoute, c'était bien. C'est chouette. Ouais. Je comprends pas tout là. Non. La capitaine nous a ordonné de ne pas en dire plus que nécessaire à Stephen. Elle est vraiment paranoïaque. Si on faisait les choses à sa façon, on passerait l'intégralité de notre séjour à Stephen Spoil dans le silence total. Quelle honte. On va peut-être en trouver un autre truc comme ça sur la route. Allez hop. Indice trouvé. Ça. Oh. C'est quoi, c'est où? Qui a fait quoi? Moi, je suis reparti. J'ai essayé de dire toutes les phrases à elle. J'ai essayé de faire toutes les phrases. J'ai réussi à convaincre Jean de Castaway Isle et en fait la carapace d'une tortue. Et il va plonger pour y jeter un œil. Ok, Castaway Isle, c'est sur la route. Mais il s'est passé quoi là?
Ah, c'est parce qu'on a enquêté, on a parlé à tout le monde. Moi, j'ai parlé à Maverick. Moi, Et j'ai dit toutes bah les oui, il phrases a possibles parlé. à l'autre. Il y a un bateau qui arrive. On a On parlé passe à à tout le droite monde. Et à mon Ouais, je avis, suis c'est là. pour ça que ça s'est débloqué. C'est un bateau joueur? Ouais. C'est un sloop. Non, attends, s'il fait rien, le sloop. Non, je vais tirer après quand même. Il a un cœur sur la tête. Il nous regarde, mais il fait rien. Ouais, ça va. Alors, on continue notre route. Ouais. Donc, on passe à droite et direction. Alors, je te dis ça. Surveiller le sloop quand même. Non, il fait sa route. Castaway Isle. Ouais, mais on passe pas à Castaway. Tu prends à droite de Snake. Ah oh bah si, Castaway. Bah prends nord-nord-ouest. Ok. Maintenant. Ouais. S'il te plaît. Ouais, t'as vu. Pas le temps. Je me canonne sur Vas-y. Donc là on est nord-nord-ouest. Donc pour l'instant on avance bien. Donc ouais, il faut vraiment faire de la recherche quoi. Castaway Isle. Donc, c'est droit devant. Attends, en fait la carapace d'une tortue. Non, faut enfin, creuser autour. Plonger autour des Castaway Isle. Tu crois? Ouais, je crois. Ouais. Alors, et il va plonger pour y jeter. Oh, ben, il est déjà très vieux. Classique. C'est l'île à l'avant gauche, Castaway. On y va. Et faut pas qu'on lui jette un boulet pour affronter les trucs des mers. Bah il faut le tuer carrément quoi. On arrive sur l'île. On n'a pas vu une mouette. Hein. Pourquoi on a eu des pièces? Oh, niveau elle 3. Elle a l'air longue, la petite. Non, je crois pas. Récompense obtenue. L'autre, on l'a fait directement. Celle-ci s'appelle bien long non plus. Hein? Ouais, mais l'autre, on n'a pas fait. On a raté des trucs, je pense. Ouais. Oh, j'ai des trucs là. Oh la vache. Caisse de pierre. Bouteille bleue. Ah, bouteille bleue. Trouvée. Wow. Venez pas là. Attendez les gars. Ah, c'est trop tard, je suis là. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Un baril. Ah. Oh. Alors, bon. D'accord. Bon, il y a plein de choses à ramener au bateau quand même. J'ai légèrement heurté un rocher et il se trouve que j'ai oublié d'apporter des planches. Et alors, pleine vitesse, droit devant. Ok.
Mais droit devant. Tu peux harponner ce que j'ai mis sur le sable. Ouais. S'il te plaît. C'est la base. Non, par contre, l'autre, ça dit pas, ça dit droit devant et c'est tout, quoi. Ouais, mais droit devant, bah, par rapport à son schéma, son trajectoire. Et c'est celui qui est droit devant. Merci. Alors, il dit quoi, lui ? Droit devant. D'accord, j'ai légèrement heurté un rocher. Et il se trouve que j'ai oublié d'apporter des planches. Et alors ? Pleine vitesse, droit devant. Vous avez vu, sur la première case, c'est des points rouges en plus qui sont apparus. Où ça ? Ouais, c'est tout ce qu'on a trouvé. On a trouvé le premier dans les barils. Après, on a trouvé au niveau du Stephen Spoil. Et la bouteille qui a été trouvée là où on est. Donc, il doit y avoir autre chose sur la route. Alors, attends, j'ai heurté un rocher. Est-ce que c'est pas les rochers sur notre gauche ? Bah, c'est ce que j'allais dire. Là, sur bah là, faudrait... là-bas. Là, le truc, c'est qu'il faudrait prendre sud-ouest pour être bien. Sur notre gauche. Ouais, bah, c'est ça. Vu que c'est pas loin, est-ce que tu te connais moi là-bas dedans ? Enfin, je me connais au milieu des rochers, j'ai plongé là-bas. Ouais, parce que ça se peut, il y a quelque chose qui a coulé par là-bas. Alors, on va y aller tout doucement. Parce que s'ils ont heurté ici. Hop, droit devant. Ils ont peut-être coulé ici. Attends, je vais mettre une toute petite voile. On n'est pas arrivé, on a encore de la route, hein. Parce que normalement, ouais, on est censé. Les rochers sont juste devant. On est censé trouver l'épave. Ou pas. Peut-être que ça marche différemment sur celle-là, je sais pas. Je sais pas. On passe entre deux. Ouais. Là, il est en train de voir. Parce que sur le mot, il marque qu'il a tapé un rocher. Là, il y en a plein. Peut-être qu'en partant d'ici. Je pars là-bas dedans, mais je vois rien. Le truc, c'est que sur ma carte à moi, sur la toute première carte, c'est pas le trajet qu'on doit prendre, quoi. C'est ça le truc qui me. Ouais, faut qu'on prenne un petit peu plus à droite, c'est ça ? Ouais. Passer à droite de Chicken. Ouais, on va passer à droite. Et là, je voulais juste passer à travers. Voir si on voit rien. Une sirène. C'est peut-être la mienne, hein. Ouais. Ouais, non, je vois rien sous la flotte. Tu vois Chicken là-bas ? Non, tu peux pas la voir, elle est petite. Allez, va à droite un peu. Ouais. On devrait stop tout droit, voir une épave. Pas très loin, oui. Oh, je vois une épave. À l'avant droite. C'est une épave. Tu vois ? Ouais. On peut aller voir. Et il a peut-être topé les rochers ici et coulé par là-bas. Bah oui, j'ai heurté un rocher et après il dit tout droit. Donc c'est après avoir heurté le rocher qu'il allait tout droit. Il va peut-être y avoir des barils avec une autre. Oh la merde, toi! On n'aura pas le vent! Pas le vent! Oh non! Et même en chantant, on n'aurait pas le vent! Bon, ça va. Non, mais il a raison. J'ai dit. Ouais.
compatis. Le pire, c'est que j'ai vraiment rien dit. Non, mais c'est le... D'accord. Ça veut dire tellement de choses. On est toujours sur la trajectoire. Ouais, j'ai l'impression qu'elle s'éloigne, les mouettes. Parce que là, on sort de la trajectoire. Ouais, ouais, ouais. Bon, on va voir c'est quoi. Bah, elles sont où, les mouettes? Oh, t'es con, je le vois plus. C'est à cause de la fumée noire. De la fumée noire. De l'orage. Ah, elles sont droit devant, c'est bon. C'est à cause des nuages gris que tu les vois pas. La fumée noire, le nuage gris. Ça se trouve, ça te fait une bonne définition de l'ensemble. Tu les vois, bon. Oui. Ouais. Faut pas remonter les vols. Au moins une, si. Doucement. Là. C'est bon, on peut remonter à deux hommes aussi, on y est. Ouais. On y est. À l'avant-droite. Okay. Donc il n'y a rien, donc c'est bien une épave. Là, on va droit dessus, parfait. Je commence à monter les voiles. Ah, t'es souhaité. Oui. Merci. Arrêtez. Allez. On va commencer le voyage. Oh, magnifique. Non. J'ai glissé, chef. Non, pas ça. Oh non. Il est en train de couler, ça c'est parfait. Oh ouais, j'ai coupé à côté, j'ai pas compris. Quatrième renommée. Déjà, on a deux sur quatre. Qu'est-ce que t'as pas cours? Prof absent, encore annulé. Bah, c'est cool. Bravo. Bravo le prof. Nouveau tatouage. Ben je vois voilà. Pas la thune. Ah, je les cendrais. Renommé niveau 4. Et pour savoir... Ah, c'est ça. Main novice. Tâche terminée 2 sur 3. Ok, donc faut faire toutes les épreuves pour avancer dans le pass. Bon, bah je rejoins T-Rex, et vous rejoignez? Ouais. Naufrage de la brume, je suis à 4 sur 5. C'est que ça. Qu'est-ce donc cette diablerie? C'est ça en fait, hein.